Les amis de Disney English ne disent jamais de mensonges. Aujourd'hui, nous allons parler de vérité et mensonges. Truth and lie. I was a girl in the village doing all right. Then I became a princess overnight. Now I gotta figure out how to do it right. So much to learn and see. Nouvelle famille et un château comme foyer. Dans mon école, il n'y a que des têtes couronnées. C'est un monde enchanté. Approchez, braves gens, approchez, venez assister au spectacle du grand cirque des anges dorés. Le cirque des anges dorés vient d'arriver. Oh, pourvu que maman et papa nous laissent y aller. Je ne suis encore jamais allée au cirque. Ce n'est pas n'importe quel cirque, Sophia. C'est le cirque des anges dorés. Cirque? Circus. Circus. C'est le plus beau, le plus grand cirque du monde. Ils apparaissent soudain dans leur grand chariot, avec leur musique qui sonne un peu faux. De tous les cirques, c'est de loin le plus beau quand ils dressent le chapiteau. On y découvre des êtres peu courants, quelques pingouins savants, un tigre chantant. Si vous ne connaissez pas, ça en vaut bien la peine. C'est une belle et grande fée forêt. Ils sont bien sûr des éléphants comme ailleurs, mais ceux-ci sont énormes et de toutes les couleurs. Quand arrivent les licornes, ils dansent tous en chœur pour notre plus grand bonheur. Et sur un fil, des elfes vont voltiger, mais les yeux bandés, rien que pour s'amuser. Quand le dompteur s'affaire, par gestes spectaculaires, surgissent des dragons par douzaines dans les airs. Oh, ce nouveau vitrail est absolument fabuleux. J'ai vraiment hâte de le montrer à la reine Miranda. Le cirque des anges dorés est de retour en ville, papa. Est-ce qu'on pourra y aller? Est-ce qu'on peut y aller? Can we go? Can we go? S'il te plaît. Eh bien, je ne vois aucune raison de vous en priver. Belay, voulez-vous prendre des tickets pour demain? C'est entendu, votre Altesse. Ouais. Retrouvez l'épisode en intégralité sur Disney English, en exclusivité sur Canal Sat à la demande.